Ok les gars, j'espère que vous avez la forme, merci d'être présents sur cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, les vidéos vous plaisent donc ça me fait vraiment plaisir, on va continuer bien sûr cette année avec plein de let's play, également des guides, vous avez vu hein, je vous sors pas mal de guides sur du Elden Ring, donc ça me fait plaisir hein, quand je trouve des petites choses comme ça, de vous les partager, et on va continuer Ghostwire Tokyo jusqu'à la fin du jeu, je sais pas à peu près où j'en suis, mais je crois qu'on avance bien hein, dans l'histoire, on est pas mal, donc j'espère que ça vous plaît les amis, en tout cas ça, vous savez ce que ce jeu me donne vraiment envie d'aller au Japon, vraiment, c'est vraiment le truc, je me dis tiens, il faut vraiment que j'y aille, ça fait des années que j'ai envie d'y aller, bon, on a eu le Covid pendant plusieurs années, donc de toute façon les voyages c'était râpé, mais vraiment, le Japon, ça fait partie de mes gros pays, de mes must, tu vois, de ma top liste des pays que je veux absolument visiter avant de quitter cette terre, voilà, il faut que j'aille au Japon, parce que voilà, tout cet univers de manga, d'anime, de pop culture, j'adore, voilà, cet univers, la mythologie japonaise, etc., tout ça, ça me fascine, donc j'ai vraiment envie d'y aller, c'est vraiment un pays, je pense, qui est dépaysant, tu vois, autant des pays, t'as l'impression un peu d'être chez toi, mais là, le Japon, je pense que vraiment, je vais prendre une grosse claque, et voilà, ça me donne vraiment envie d'y aller, de rencontrer les gens là-bas, de voir un peu le peuple japonais, l'univers japonais, vraiment d'y être à fond. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller, en tout cas, je vous le dirai si c'est le cas, et puis voilà, je ferai peut-être même des petites vidéos, on sait pas, peut-être, en mode vlog, si ça peut vous plaire, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, en attendant, on va continuer Ghostwire Tokyo, les amis, merci d'être présents, n'oubliez pas de liker, c'est parti. Alors, les portails Tori récemment révélés grâce à Renko, vous pouvez désormais voir d'autres portails Tori. En les purifiant, vous dissiperez le brouillard environnant et débloquerez de nouvelles zones sur la carte. Yes, merci Renko. Mission terminée, divergence. Et donc, nouvelle mission qui s'appelle Agonie. Dirigez-vous vers la colonne de lumière. Sauf que pour y aller, il va falloir qu'on libère des portails Tori, je pense. Ouais, on en a pas mal là, à libérer. Alors, c'est ici qu'on doit aller. Je sais pas si on peut libérer déjà celui-là. Je pense pas. Je pense qu'il est trop dans la... Ouais, il est trop dans la brume celui-là, donc faut qu'on en libère un autre, je pense. Peut-être celui-là. Je pense que... Ouais, on va voir. On va essayer déjà de libérer celui-là, voir ce que ça change. J'ai jamais pu les sentir, ces tours d'immeubles. C'est beaucoup trop calme. Château d'eau. Ouais, là. Ouais, là, je peux pas y aller. Attends, on va essayer d'aller là. Monter là-haut. Tac. Et comme ça, on va pouvoir rejoindre normalement l'autre toit qui est là-bas. Allez, c'est bon, ça passe. Hop là, je voulais l'avoir par derrière, c'est bon, ça a marché. Mais là, attention, parce qu'il y en a plein d'autres. Je les connais pas, eux. Ouh. Ils sont beaucoup. Ils sont pas très forts, hein, mais ils sont beaucoup. C'est bon, on peut purifier. On va voir ce que ça libère sur la map. Est-ce que je vais pouvoir atteindre l'autre? Oh, un petit chapelet. Chapelet d'eau. On dirait qu'on se rapproche. Ne baisse pas ta garde. Ils finiront bien par tenter quelque chose de toute façon. Ah, il y avait un qui était caché là. C'est quoi ça? Rien du tout. Allez, on remonte. Attends, hop. Donc normalement. Oh bah là, il y a plein d'esprits, attends. On va en profiter quand même. C'est un peu ce qui... Hop, il y en a là aussi. Il y en a masse ici là, c'est un truc de fou. Hop les... Donc regardons un peu la carte, voir si ça... Ouais, ça a dégagé. Je peux aller jusqu'à là-bas. Nickel. Il est là.
Bah, je vais aller choper l'esprit qui est là. C'est bien que maintenant on en ait 27 là, 27 emplacements pour récupérer plus d'esprits sans forcément aller devoir les vider à chaque fois. Alors là, faut faire attention parce que le brouillard en fait il fait un tour. Hop. Bah, déjà, on va libérer celui-là. Bon, bah là, de toute façon, je suis grillé. Aïe. Bim. Allez. Je sens vraiment que j'ai pris en puissance quand même. Hein. Ça fait plaisir. On sent le gain de puissance. Waouh. Il est trop bizarre ce portail. Il y en a plein. Les uns à la suite des autres. Waouh, c'est magnifique. Ok. Waouh, putain. Eh, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais c'est super joli. En tout cas, tous ces portails tori les uns à la suite des autres. J'aime beaucoup. C'est quoi ça? Rien du tout. Ok, alors du coup, attends. Là, la question, c'est de savoir comment on va là. Hop. Elle, on va essayer de la voir. Voilà, te tourne pas. Évidemment, elle se retourne, c'est incroyable au moment où... Ah là là. Au moment où j'arrive à la frapper par derrière. Évidemment. Oh, les gros comme ça. J'y vais direct avec le feu. Niveau sup. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la sensation que j'ai. Oh oh. Je l'avais pas vu lui. Enfin, je crois que... Ouh, fais attention là. Allez. Oh, il est relou. C'est bon? Je crois que c'est bon. Je sais pas, il est apparu au dernier moment lui. T'es bien chiant. Allez. Un autre portail tori libéré. Combien allez-vous donner? Je sais pas, donner 500, tiens, je suis blindé de toute façon. J'espère trouver plus de statues que... Qu'allez-vous souhaiter? Ah, on peut faire des souhaits. J'espère trouver plus de statues de Jizo. Je souhaite trouver ce que je recherche. Je veux récupérer de la santé, je veux récupérer des PM. Je souhaite trouver ce que je cherche. J'espère trouver plus de statues de Jizo. Ok. Je sais pas ce que ça change. Bon, on a fait une prière. Il y a un petit chapelet à prendre. Chapelet du feu. Allez. Alors, chapelet du feu, attends. À quoi il sert? Inventaire. Donc on a... Attaque de feu, plus 20%. Ah oui, je peux en équiper deux maintenant, c'est vrai, parce que j'avais acheté une compétence qui me permet d'en équiper deux. Donc... ouais, bah c'est bien. On va mettre le feu et le vent. Ok. Est-ce qu'on peut se diriger maintenant vers la tour? Ouais, c'est bon. L'accès est dégagé. Donc on peut y aller. On va passer par les... Oula. Ouais, on va éviter de se faire défoncer. Par contre là, il faut que... Ouais, je récupère de l'éther parce que là je suis complètement à sec. J'ai plus que 3 d'attaque de vent, ce qui est rien du tout. Hop. C'est quoi? Les effets Omikuji. Dans les sanctuaires, tirés des divinations écrites appelées Omikuji, bonnes ou mauvaises, ces prédictions ne seront pas sans conséquences. Les effets des Omikuji sont temporaires. Vous ne pouvez en détenir qu'un seul à la fois, même avec les talismans qui permettent des
les buffs multiples, effet possible. Donc Taikishi, durant une courte période, vous obtenez le triple d'XP pour chaque visiteur, sans subir aucun dégât de leur place, de leur part. Kishi, durant une courte période, les visiteurs infligent la moitié des dégâts. Shukichi, durant une courte période, vos PV ne seront jamais inférieurs au seuil critique. Shokichi, durant une courte période, les cristaux d'éther octroient double de Meika. Et Shuikichi, le vent transporte les accords légers du bon odo. Je comprends rien. Kyo, des visiteurs surgissent à côté. Donc là, c'est la malédiction. Et Daikyo, vos PV sont immédiatement réduits à 1. Donc en gros, on a... Il y a une dizaine de... d'effets. Il y en a deux qui sont pas bien du tout. Et les autres sont très cool. On va tester. Acheter. Allez, on pioche. On espère avoir la chance. J'adore. Est-ce que ça va ou ça va pas? H. Daikichi. Durant une courte période, vous obtenez le triple d'XP. Stylé, sans subir aucun dégât. Buff temporaire activé. Eh ben allez, c'est parti. La lumière semble venir d'un peu plus loin. Ah bah c'est super joli, je sais pas c'est quoi ce parc mais... Je savais pas qu'il y avait des grands parcs comme ça à Tokyo, c'est magnifique. Prier. Statue Jizo, ok. J'espère qu'il veillera sur nous. On en a besoin. Putain, ils ont des parcs comme ça de ouf. Putain, c'est stylé. Ah, on approche. Regardez toutes les petites lumières, c'est très joli. Les esprits des gens, tous ceux qu'ils ont récoltés. Il y en a tellement. Quand on est inspecteur, on devient insensible au fil des affaires. Si on est touché à chaque meurtre, on peut plus bosser. Mais de temps à autre, il arrive qu'on tombe sur une histoire qui nous affecte et nous met sur le cul. Une histoire comme celle-ci. Ouais, je comprends. Tu la sens, toi, cette envie de redresser tous ces torts. Surtout, ne la perds pas. C'est grâce à elle que la vie a un sens. Zone réglementée de Kirigaoka. Aller au sanctuaire en bordure de chemin. Ok, juste là. On peut passer par là. Si un jour je vais au Japon et que je vois ça, j'essaye d'ouvrir les deux, les pierres. Clairement. Qu'est-ce qu'il compte faire avec Marie au juste? C'est à cause de lui que je me suis retrouvé avec tous ces drôles de pouvoirs. Pour lui, tout ça, c'est juste une expérience scientifique. Le connaissant, il n'hésitera pas à la sacrifier pour ça. Mais tu vas la sauver. Allez, on descend dans les profondeurs. Waouh! Magnifique! S'échapper. Sale Keikei! Attends! Où est Marie? Une fascinante réunion. Mais elle devra attendre. La cérémonie va bientôt commencer. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. C'est regrettable, mais il n'y a plus aucun salut possible pour vous. Qu'est-ce que tu racontes? Libère-la! Hélas. Il est trop tard pour faire tes adieux. Elle a déjà rejoint la scène pour le dernier acte. Elle est où? Il reste encore du travail. Un travail crucial.
Ces deux-là vous tiendront compagnie à ma place. Tu crois vraiment que cette saloperie peut ressusciter les morts ? Keikei ? De quoi tu parles, juste ? Ce taré veut moissonner des tonnes d'âmes humaines pour connecter notre monde au suivant. Sa femme est morte des suites d'une maladie il y a 5 ans, et il essaie de la ramener. Je suis sûr que sa fille serait enchantée de voir ce que son cher papa est devenu. Quoi, ce délire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pardonnez-moi. Il se peut que je vous ai induit en erreur. Ma femme et ma fille me comprennent parfaitement. Il ne me reste plus qu'à ramener leurs âmes de l'au-delà. Mes remerciements vont tout particulièrement à ma fille. Sans elle, cette barrière n'aurait jamais pu exister. Tu es allé jusqu'à sacrifier ta propre fille ! Le corps n'est rien de plus que l'enveloppe de l'âme. Pourquoi tenir à quelque chose d'aussi éphémère ? Ce type est taré ! L'heure fatidique est proche. Je laisse ma fille s'occuper de vous. Waouh, c'est parti les amis. Combat de boss contre la fille. Akito, éloigne-toi d'elle. Oh merde, c'est séparé. Keke. Oh oh, elle l'a bouffé. Elle l'a bouffé, on a pu... Ok. Progresser en solo. Quand Akito est séparé de Keikei, les actions nécessitant de l'énergie spirituelle sont fortement limitées. Ouais, ça on avait vu. Il peut toujours utiliser les objets, absorber les esprits. Ok. Bon bah, on a plus que notre arc et nos flèches. Hein. Ça c'est un peu la merde. Donc là, je pense que pour l'instant, on peut pas combattre. Il faut absolument qu'on retrouve nos pouvoirs. Tiens, je sais pas, on va passer par là. C'est quoi ça ? Waouh, elle fait flipper, hein. Ça va le ralentir, j'en suis sûr. Il faut que je pense, je tire dans les... Il y a les bonbonnes. Je sais pas où elle est pour l'instant. Terrace Ko-Omote, c'est son nom. Hop, là je sais pas où elle est pour l'instant. Elle est là. Tu n'y arriveras pas. Oh oh. Avec ces... Ça va ? Boum. Ah, dans la queue, ok. D'accord. Oh, c'est chaud. Oh là là, ok. Il faut que j'aille discrètement. Erika, je comprends. Vraiment. Je peux pas prendre cette précision. Je peux pas. Aïe aïe. En train de crever, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai plus de flèches. Je suis toujours dans les jupons de quelqu'un. Je ne m'en suis jamais souciée jusqu'à maintenant. Mais tout a changé désormais. Faut que j'arrive à tirer sur les queues en fait. Oh merde. Oublie les attaques frontales. Ok, je pense qu'il faut que je... Que j'arrive... Arrache-les. Comment je vais les arracher ? D'accord. Ah, il faut que j'arrive vraiment... Faut filer derrière elle. Faut que j'arrive vraiment caché derrière elle. Faut pas qu'elle me voie, quoi. Oh merde. Elle m'a vu. Elle m'a vu, les amis. Ok, là c'est bon.
Donc il faut vraiment que je me faufile derrière elle et que je lui arrache les queues, tu vois. C'est un genre de chat quoi, chat chelou. Allez, on avance doucement. Elle est là-bas. Elle est là. Ton pouvoir tient dans tes queues. Oh merde. Je vais t'aider. D'accord. Je vais me faufiler derrière elle. Mais elle va trop vite. Te retourne pas. Te retourne pas, on approche. Allez, hop. Une première queue. Les queues, c'est son point faible. Elle s'est barrée. Encore un autre? Bon, d'accord, mais c'est le dernier. Il faut lui trouver un nom. J'étais une chatte. Docile, on prenait soin de moi. Mais personne ne devrait vivre ainsi. Non, personne. Jamais. Je suis une chatte. Dans une cage. Allez, on va essayer de lui enlever sa deuxième queue. Elle en a trois en tout. Merde. Elle a failli me griller. Ouh. Ah, j'ai failli l'avoir. Merde. Elle me regarde. Impossible de l'avoir face à face. Je dois la contourner. Putain, il faut qu'elle se retourne pour que je puisse lui choper une queue. Là, c'est bon. Merde. Elle se retourne à chaque fois. Je crois que là elle me voit pas là. J'attends qu'elle se retourne et après on y va. Ah là c'est orange. Je crois qu'elle me grille. Je vais faire le tour. Évidemment elle va se retourner au mauvais moment. Ah ouais elle a avancé. Elle est pas loin. Allez, on y va doucement. Me mènera nulle part. Je me cache et j'attends le bon moment. Elle a s'arrêté. Allez, te retourne pas, te retourne pas. Allez, 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 on y est presque. Allez, deuxième queue, c'est bon. Voilà, continue comme ça. Nickel. Le ciel devient de plus en plus rouge, j'ai l'impression. C'est un drôle de sentiment. Plus la vie devient difficile, plus je me sens vide. Mais personne ne me comprend. Je suis un fardeau. Un fardeau à protéger. Une coquille vide. Attendant patiemment qu'on décide à ma place. Je ne suis plus vivante. Plus vraiment. Reste ici. C'est plus sûr si tu restes là. Non, c'est pas normal. C'est pas normal! J'ai le droit de vivre! Alors, je sais pas où elle est apparue. Je pense qu'elle est de l'autre côté. Elle est là-bas. On se cache derrière. Ah, elle fait de la... Elle sème de la... Impossible de la voir face à face. Je dois la contourner.
Elle va beaucoup plus vite qu'avant. J'ai l'impression qu'elle va beaucoup plus vite que la phase 1 et 2. Ah oui, elle va très vite là maintenant. Donc faut vraiment, je pense, attendre qu'elle passe. Et sortir dès qu'elle passe. Merde. Elle a couru d'un coup. Elle est maline. C'est pas grave, on va attendre qu'elle fasse le tour. Et on va essayer de la voir par l'autre trou là. Combattre à la loyale me mènera nulle part. Je me cache et j'attends le bon moment. Elle devrait passer ici. Allez. Oh, je l'avais presque. Je l'avais presque. Oh, elle m'a vu. Oh oh. Oh oh, elle balance son truc. Elle arrive, je crois. Je pense qu'elle arrive parce que le truc bouge. Putain, j'étais à deux doigts de la voir juste avant. Ouais, je pense qu'elle est là. Impossible de la voir face à face. Je dois la contourner. Ah, c'était... c'était rapide, c'était rapide. Faut que j'aille encore plus vite. Faut que j'aille encore plus vite. Il y a vraiment une toute petite fenêtre d'exécution. Ça va très très vite. Elle devrait arriver. On va essayer, j'espère que ça va être la bonne. Allez, c'est bon. On l'a. Troisième et dernière queue. J'étais à ça de la voir. Bon sang! Keike, on doit le poursuivre. Elle s'est relevée. Reste en dehors de ça. Laisse-moi faire le sale boulot. Faire. C'est vraiment atroce. Et il continuera si on ne l'arrête pas. Allons-y. Ok les amis, mission terminée, agonie, musique co.
Omothée, donc c'est le nom du boss qu'on vient de battre en plus. Et donc chapitre 4, contorsion, on avance bien dans l'histoire je trouve là. Waouh, c'est le bazar dans Tokyo là, ça s'arrange pas. Hein. C'est quoi ça? Pas la moindre idée. En tout cas, ça a pas l'air sympa. Eh, tu vas pas te dégonfler maintenant. Hein? Non, ça va aller. Dis Akito, t'entendrais pas une sonnerie? Examiner la cavité téléphonique, pardon. Ok Zemir, on va s'arrêter ici, après ce combat de boss qui était quand même assez sympa au niveau de la mécanique, c'était, ça change de des trucs où tu bourrines, où tu balances plein de pouvoir, là il fallait bien se cacher, bien attendre qu'elle passe et tout. Après je m'attendais en fait à ce qu'il y ait une deuxième phase de combat où il faut la taper normalement quoi, mais non du coup c'était simplement attendre qu'elle passe et lui péter ses trois queues et voilà c'était fini, donc ça va, c'était pas trop dur, mais ça va, c'est cool, ça change. Et bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode, on va se retrouver très bientôt pour la suite des aventures jusqu'à la fin de Ghostwire Tokyo, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poser votre petit like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochains épisodes. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao ciao.